talons là même. Quand elle marche, on sait que elle est villageoise. Amen. Amen. Tu as une femme, ma femme. On la prend au sérieux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va dire ces annonces? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Vous avez compris? Amen. Non. Ça veut dire, si je dois dire non à mon mari, c'est que nous deux, nous sommes d'accord. Et dit non. Bien sûr, la femme a les périodes de où elle fait ses menstrues. S'il te plaît, il faut respecter ça par moment. Amen. Amen. Tout ça, c'est important. Allons-y. Si ce n'est d'un commun accord, oui, pour un temps, pour un afin temps, de vaquer à la prière, oui, puis retourner ensemble, de faire que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous dites que c'est important, incontinence. Vous dites que c'est important. Dans le mariage, le rapport sexuel joue un rôle très capital. Amen. Amen. Voilà, de passage, je vous donne un peu de conseils. C'est important. Amen. Amen. Quand ce n'est pas bien pratiqué, il n'y a pas là. Quand c'est bien pratiqué, vous allez voir qu'il y a la paix dans la maison. Il y a la paix dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Vous voulez un foyer? Foyer, on ne se lève pas matin. Il dit, j'ai un mari. Depuis là, personne. Toi, tu peux te marier. Tu vois, il y a le vieil. Qu'est-ce que vous appelez foyer? Vous voulez un mari? Vous savez ce qu'on appelle un mari? Ou bien c'est cerisier, on prend d'abord, on va faire riz, planter riz, semer riz. Non, il y a tout ça. Il y a tout ça.